combien de combattants au ngana moni Jean-Marc Abengani combien na moni ebele yango to lobi boye onyo so to azana tembe kende na pere liboso ya ndako ya ndeko Jean-Marc Kabund koma wana beta ba policier wana bengana bango yokota na ndako soki eza malamu je crois que ndeko Jean-Marc Kabuyamba yote po ubeti ba garde na ye ukoti na ndako par force. Ça veut dire que les bêtises, n'est-ce pas que tous les bawana, bagarde républicain, bazali pour un chef de l'État. Au bêtis garde républicain, ils en étaient au bêtis chef de l'État. Au simbi garde républicain, ils allaient au simbi chef de l'État. Ça veut dire que ceux qui te voyaient bien respecter bagarde républicain, tu voyais bien qu'on respectait chef de l'État. Voilà pourquoi tu lobby combattant. Combattante nyo sotu, kokweya na piège te. Kokweya na piège te, ya kobaluka, kofinga président, ou bien koloba mabe pour na président, parce que bangonde mutuba bandi. Makamboyo, e banda kala. Makamboyo, baloba ke go suka mabe. Je crois que to komi na suka, ya makambo. Oyo, menazali besoin. Combattant la combattant moko, a gardé calme na ye, a gardé stérilité na ye, a gardé kimia. Na ye place azali. Po, oyo, ezali malamoute. Est-ce que vous avez imaginé scénario oyo koki ko salem, après avoir ko sambousa ba garde républicain? Voilà pourquoi to lobi, naza d'accord te, na oyo salemi. To sengi kimia na mutunyo soto to sengi respect na président de la république Pascal Zali Muninga na misote ngai na yo to za na chef mi balete to na chef kaka moko chef de l'état commandant suprême au ne photoban alors keba na manipulation keba na yo o zolinga ko sala ba bêtise to yebi yo. Makambo yo sala sala to yebi yango. To yebi yango, to yebi yango. Pe to kotika binote, to yebi yango bien. To yebi yango, et puis to yebani bien. Voilà pourquoi to kebi si bino. Ça veut dire que, boke ba na bagarre du corps ya président. La photo du président Etienne. Etienne, regarde. Ils n'ont même pas respecté Etienne. Ah, Seigneur. Ils sont en train de dire que c'est qui nous a envoyé. On va lui montrer que c'est Félix qui nous a envoyé. À Goué Babiso. Quel sabotage. Quel sabotage. Le président de l'IDPS, c'est comme ça, pouvoir. C'est comme ça qu'on le remercie. Ah, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, c'est la personne qui dit ça. Hein? Mais personne ne publie ça. Pardon, pas trop des images. On a demandé arrêter d'abord. Que maître fasse les... Alors, c'est un des enfants, hein, et vous remarquez que dans cet état ici, une fille en plus, si son frère ne l'avait pas aidé, en tout cas, il y aurait eu autre chose ici, dans la maison du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est son bureau. Et ça, c'est la salle des sports. Ça, c'est son bureau. À la maison, donc c'est le bureau où il travaille. Regardez comment on a tout saccagé, détruit à la télévision, sens dessus, sens dessous, les chaises, les dossiers. Donc des voyous qui ne connaissent même pas l'importance des dossiers. Il y a des bris, comme je vous ai dit, un peu partout. Voilà, dans son bureau.
comme le disait tantôt un ami là-bas, les premiers présidents de l'Assemblée nationale issus du parti au pouvoir. Et actuellement, les présidents du parti au pouvoir. Actuellement. Voilà ce qu'on a fait. J'ai le film et nous allons utiliser tout ceci comme des pièces à conviction lors des procès à venir. Parce que nous devons absolument, si nous sommes dans un état de droit, les droits doivent être rétablis. Cette famille déchirée, traumatisée par des éléments censés veiller à la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens, c'est cette armée qui, une faction de cette armée, est auteur de ces faits de destruction préméditée. Des coups et blessures, d'enlèvement, des tentatives d'assassinat. Parce que tout ceci a été prémédité. Voilà. Ce sont des images qui seront utilisées lors du procès à venir. Oui, maître est ici.